Allez, salut à tous les amis, donc aujourd'hui nouvelle intervention, donc nous sommes le 6 août, je suis fatigué, 2024, donc vous vous rappelez la petite blague là que j'avais dit pour les cambrioleurs, c'est bien d'avoir un nid de frelons asiatiques au-dessus, et bien en fait le client m'a rappelé une quinzaine de jours après, regardez ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une grosse pression du frelon asiatique, il y a eu un deuxième nid qui s'est fait ici, donc le nid est fermé et bien actif, et ils ont eu un œil aguerri, parce qu'ils ont un troisième nid, a priori qui est là-bas. Donc on va pas trop s'approcher parce qu'il y en a toujours qui surveillent. Regardez. Voilà. Donc là, frelon asiatique, hein, typiquement on reconnaît bien avec la tête orange. Donc en fait, ils ont fait des nids qu'on appelle satellites. Donc c'est-à-dire ils ont fait différents nids parce que pour X raisons sur cette commune-là, ils ont trouvé un endroit pour se loger. Donc là, je vais faire un traitement comme d'habitude avec la perche. Je vais piquer à l'intérieur du nid où j'ai directement poudré. Hop, vous voyez, il y en a qui vient de rentrer. Donc aller-retour d'un insecte toujours à un même point, c'est synonyme d'un nid. Donc là, c'est pas l'ombre d'un doute qu'il y a un nid ici. Donc au final, on totalise 3 nids en tout. Voilà, donc soyez vigilants, comme quoi ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc le premier nid fait ici, donc il est mort. Le deuxième jusqu'à côté et le troisième qui est sous l'étude derrière. Donc là, je vais m'occuper de leur cas. Et puis soyez prudents, ouvrez les yeux, les frelons sont partout. Allez, à très bientôt pour de nouvelles aventures.